Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Je suis Bienvenu Bernard Botondolo, enseignant de français, tuteur des classes de première dans ce programme du Distance Education. Nous allons continuer avec les notions de la séquence 2 et bien évidemment les leçons consacrées au premier trimestre. Et la dernière fois, nous nous sommes séparés sur le texte descriptif. Aujourd'hui, nous allons aborder la communication par l'image. C'est la 23e leçon de ce premier trimestre. Alors, pour mener à bien cette leçon, nous allons nous appuyer sur le plan suivant. Les objectifs. Voilà, l'objectif autant pour moi. Les prérequis. La découverte de la notion, le traitement de la notion, la formulation de la règle et nous aurons à faire une consolidation. Ce schéma, ce plan, tu es déjà habitué à cela. En objectif, il s'agit ici d'interpréter une image. L'objectif de cette leçon est d'interpréter une image. Alors, comme élément nécessaire pour aborder cette notion, il est important de savoir ce que c'est que la communication verbale et la communication non-verbale. Par communication verbale, on entend ici le moyen par lequel on communique à travers des signes vocaux, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire actuellement. Par la communication non-verbale, c'est la communication par les signes non-verbaux, non-vocaux. Ici, on peut voir ici les gestes, on peut voir les signes, les symboles, la kinésique, la proxémie, qui participent ici de la communication non-verbale. Ce rappel étant fait, nous pouvons passer au corpus. Comme corpus, nous allons avoir des images. Je t'invite à observer ces images. Voilà la première image de notre corpus. Voilà la seconde image de notre corpus. La troisième image de ce corpus. La quatrième image du corpus. Donc, nous avons quatre images dans ce corpus que je vais te permettre de redécouvrir. Voilà la quatrième image. La troisième image, la deuxième image, la troisième image, la première image autant pour moi. Bien. Alors, nous pouvons donc passer à la première étape de notre leçon, c'est-à-dire la découverte de la notion. Et la consigne ici t'invite à observer le corpus et à donner sa nature. Que représentent ces trois images? À partir de l'objectif, dites ce qu'on attend de vous. Tu observes le corpus et tu donnes la nature des images. Comme deuxième consigne, que représentent ces trois images? Et enfin, tu vas relier l'objectif et tu nous diras ce qu'on attend de toi au terme de cette leçon.
Ces images, le corpus est constitué de 3 images. En fait, nous en avons 4 images. Donc pour moi, le corpus est constitué de 4 images. Ces images représentent des êtres humains. Et il a attendu de nous que nous interprétions les images du corpus. On attend de l'élève qu'il soit à même d'interpréter les images du corpus. Le traitement de la notion. Question 1. Donnez le type des images que vous observez. Donnez le type des images que vous observez. À quel type appartiennent les images que vous venez de voir, que je vais encore faire défiler? Oui, j'observe les images et tu nous donnes, je précise le type de chacune de ces images. À quel type appartient chacune des images? On retrouve dans ces images deux photos. Nous avons deux photos, un dessin et une peinture. Alors, là, nous avons affaire à une photo. Nous avons également là une photo. Nous sommes en face d'une photo également. Et là, c'est la peinture. Le dessin, autant pour moi. Là, nous sommes en face d'un dessin. Pour la deuxième consigne, dites comment le sujet de l'image est présenté en vous appuyant sur la forme du cadre, le support, l'angle de vue et les couleurs. Dites comment les images que nous venons d'observer sont constituées, c'est-à-dire sont présentées. Comment est-ce que ces images apparaissent à nos yeux? Ici, on va s'intéresser à la forme du cadre, au support de cette image, à l'angle de prise de vue et aux couleurs. Lorsque nous nous intéressons à la première image, nous avons, du point de vue de la forme, un rectangle avec des couleurs variées. Et comme variation au niveau des couleurs, nous avons le noir, le blanc, le vert citron, le vert autant pour moi, le vert citron, le rouge, le violet, le bleu turquoise. Donc voilà la mosaïque des couleurs de la première image, ou qui est constituée de plusieurs couleurs. Et nous avons dans cette première image, on peut la voir, nous avons dans cette première image un homme marchant avec une dame. Et lorsqu'on observe bien cette image, l'homme est bien vêtu. Il porte avec lui, un cartable. Et il est en position surélevée par rapport à la seconde image. Nous avons, c'est-à-dire, toujours sur le même dessus, la même image, deux autres personnes, un homme et une femme, on dirait un couple aussi, comme le premier. À l'air, ils ont la forme filiforme, contrairement aux autres qui sont bien tenus. Ils semblent regarder de haut le couple d'en face. Au niveau des couleurs, nous avons donc cet ensemble de couleurs que nous venons d'observer. Nous avons parlé du bleu turquoise, nous avons parlé du vert, nous avons parlé du vert citron, nous avons parlé du blanc, nous avons parlé du noir. Elle représente, donc nous avons, tel que nous venons de l'écrire dans cette image, elle représente deux hommes et deux femmes en position de couple. Et lorsque nous regardons l'image selon la position, on a l'impression que la personne qui a pris cette image, était en position plongée, c'est-à-dire il regardait vers le haut
Il a pris cette photo à partir du haut. S'agissant de l'image 2, c'est la photo de deux images, concernant l'image 2. Nous avons là deux militaires qui sont sur le champ de bataille. Lorsqu'on voit autour d'eux, il y a des sacs qui peuvent constituer ici leur repli. Et nous avons deux bouteilles. Ils portent en eux deux verres. On a l'impression qu'ils sont en train de faire un toast dans le champ de bataille. Et on peut les voir dans leur attitude qu'ils sont gais, ils sont souriants. Alors l'image 2 nous présente donc deux hommes militaires qui boivent du vin en plein champ de bataille. La photo est sur un plan dur, de forme rectangulaire. On a ici, nous sommes dans une photo de forme rectangulaire sur un plan dur. Et la photo ici est prise en position verticale. S'agissant des couleurs, nous avons des couleurs noires, des couleurs blanches. Et on a l'impression que ici, cette photo est prise à vue de à hauteur, c'est-à-dire à hauteur de l'œil. S'agissant de l'image 3, nous avons un homme qui est sur un piédestal et en face de lui, une immense foule qu'on n'arrive pas à dénombrer. Il a la main gauche levée, il a l'air souriant, gai. Il est habillé de noir avec une chemise blanche. Le fond est aussi en blanc. Voilà l'image de ce qu'on peut dire de la troisième image. C'est le portrait d'un homme, tel qu'on l'a vu, qui salue la foule en souriant. Lorsqu'on observe cette image, on voit un homme qui salue la foule en souriant. On constate que cette foule est nombreuse, en pleine nature, dans un lieu public. Le monsieur est sur un piédestal. S'agissant de l'image, elle a une forme carrée, elle est de forme carrée. C'est un angle de vue aussi, en hauteur. Les couleurs sont noires et blanches. Quant à l'image 4, que nous allons observer aussi, c'est l'image d'un petit enfant, tout naïf, qui a les bras croisés sur son front, ce qui nous permet de mettre en exergue son regard. Il a l'air souriant, innocent, il est, on pourrait dire, mal vêtu parce qu'il n'a pas de chaussures sur lui. Voilà l'image que nous avons de ce qu'on peut dire de ce petit enfant. C'est un petit enfant mal vêtu, l'ai-je dit. Il est sale, il est bien nu. C'est une photo de forme rectangulaire, verticale, avec des couleurs grises. La prise est en plongée, c'est-à-dire que celui qui l'a prise était au-dessus, comme pour dominer sur le petit. Alors, quel est le message transmis par ces images? Nous venons d'observer les images. Quel message véhicule ces images? Et pour ce faire ici, nous allons nous appuyer sur leur nature, pour pouvoir décoder le message, nous allons nous appuyer sur la nature de ces images, sur les émotions suscitées et surtout par le public visé. Quelle émotion
ces images suscitent chez le public. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'image 1, qui est l'image de ce couple, et on voudrait savoir le message que voudrait nous véhiculer cette image, nous sommes en face d'un dessin de deux couples opposés. Lorsqu'on a observé cette image, on a vu que ces deux couples étaient en opposition. L'un des couples était bien vêtu, elle appartient à la classe des riches. L'homme tient une mallette, on l'a bien vu, avec on dirait que c'est un grand fonctionnaire ou un homme d'affaires. Sa femme est bien coiffée et elle le suit et semble regarder le couple d'en face avec mépris. Donc, lorsqu'on observe ces images, on a observé ces images, on a l'impression qu'il regarde le couple d'en face avec mépris. Et la position, l'angle de prise de vue va renforcer ce mépris. Parce que on a l'impression que c'est cela, la prise ici est en plongée. Plongée, c'est-à-dire que le photographe ici, voilà, le dessinateur a pris une position de hauteur en plongée au-dessus pour dominer ceux qui sont en face. Et le premier couple, bien vêtu, a une position surélevée par rapport au second. Donc, nous sommes là, donc, dans une plongée, et c'est le dessin, c'est le message que véhicule ce dessin. Le couple d'en face est vêtu de manière simple, modeste. Il semble regarder les autres avec admiration. Parce qu'on les regarde, il semble regarder les autres avec admiration. Cette image exprime la différence de classe sociale. Donc, nous allons voir tout cela de près. Donc, voilà tout ce que nous avons dit. En face, nous avons un couple bien vêtu. De l'autre, nous avons un couple modeste. Et le dessin les présente de forme filiforme. Et en face, ils sont bien vêtus. Donc, on a l'impression que nous sommes devant une différence de classe sociale. On pourrait dire que les autres sont riches et de l'autre côté, ils sont pauvres. La position même qui est favorisée ici par la plongée, contribue aussi à cette différence de classe sociale. Voilà l'image, l'information que véhicule ce dessin, le message qu'on peut tirer de ce dessin. Intéressons-nous au message véhiculé par l'image 2. Quel est le message véhiculé par l'image 2? L'image 2, c'est une photo de deux soldats heureux de consommer du vin rouge en pleine zone de guerre. Ils consomment du binard, c'est bien écrit, un vin de qualité. Le message est que, même en zone de guerre, on peut être heureux. On peut vivre partout. Donc, lorsqu'on observe ces deux personnes en milieu de guerre, en principe, on se dirait qu'en milieu de guerre, on est stressé, mais eux, ils sont heureux. Ils réussissent à boire du vin et du bon vin. Et ils font un toast, ils nous sourient pour montrer que même en milieu de guerre, on peut s'adapter à la vie. On peut trouver du bonheur. On peut défendre les valeurs, son territoire, en étant heureux même en position de guerre. Donc voilà le message qu'on peut tirer de cette image. S'agissant de l'image 4, l'image 3 temps pour moi, c'est la photo d'un homme célèbre qui va délivrer un message à son public. Il est content et la foule nombreuse montre qu'il est important. Il est aimé de la population. Donc, lorsqu'on regarde cette image, c'est la communion d'un homme avec son peuple. Il salue son peuple en souriant. Le peuple est content
de le voir, on a l'impression que c'est un leader, ou encore, on pourrait dire, un homme politique, ou encore un pasteur qui s'adresse à ses ouailles. Donc, on est content de le voir, il est sur un piédestal, et il salue son public. Donc, voilà l'image, on peut dire, communie avec son public. Voilà les formations qu'on peut avoir de la troisième image. La quatrième image, quant à elle, c'est la photo d'un petit enfant qui traduit la pitié parce qu'il est mal vêtu. Lorsqu'on observe cet enfant, il suscite la pitié parce qu'il est mal vêtu, manquant de chaussures même, il n'a même pas de chaussures. Elle montre que dans certains coins du monde, il y a des enfants souffrant de pauvreté. Son sourire traduit la naïveté. C'est une image qui interpelle les humanistes ou responsables mondiaux. Nous pouvons encore voir cette image de ce petit enfant qui est là, mal vêtu, et dont l'accoutrement traduit qu'il est de condition pauvre. Et que fait un petit enfant abandonné là seul, pieds nus, certainement, pour montrer aux hommes politiques qu'il y a des gens, des enfants qui souffrent dans des coins du monde et qui sont peut-être abandonnés, même il n'a personne autour de lui. Mais on réussit à voir quand même dans cet accoutrement, dans ce visage naïf, du sourire qui se cache, d'où les conscients, l'innocence de cet enfant. Qui n'a pas conscience de sa condition. Voilà le message véhiculé par les quatre images. À partir donc de là, nous pouvons donc formuler une règle, nous pouvons tirer une conclusion sur la communication par l'image. Nous rappelons que nous avons d'abord identifié le type d'image, nous avons analysé ces images et nous avons interprété, c'est-à-dire déduit le message que peut véhiculer ces images. Alors, nous retenons que, s'agissant des types d'images, on distingue deux types d'images. Les images fixes, et parmi les images fixes, on entend ici la photographie, la bande dessinée, les affiches, le dessin, la caricature, la sculpture et la peinture. Voilà pour ce qui est des images fixes. Et chaque image a son mode opératoire. S'agissant des images animées ou mobiles, on retrouve ici le cinéma, l'opéra, la vidéo. Donc, voilà les deux grands groupes d'images que nous avons. Quels sont les éléments d'analyse ou de décryptage de l'image? L'image n'est pas gratuite, nous l'avons dit au début. L'image est une communication non verbale. Et à partir de là, il faut des clés, des outils pour pouvoir décrypter le message contenu dans une image, sur une image. Alors, pour décrypter une image, on tient compte de ceci. D'abord, le cadre. Il faut s'y construire le cadre. Le cadre, il s'agit ici de s'intéresser à la forme. Est-ce un cadre rectangulaire, carré, horizontal, vertical? Par rapport à cela, le message peut véhiculer, selon qu'on soit du point de vue rectangulaire, carré, horizontal ou vertical, il y a un message qui s'y cache. Le hors-cadre, c'est le support, c'est-à-dire l'environnement de l'image, c'est la matière, encore, en quelque sorte. Et ensuite, nous avons le champ, c'est-à-dire ce qui est visible dans l'image. Cette image se trouve dans quel champ? En dehors du champ, nous avons le hors-champ, c'est-à-dire le non-visible, ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas à notre portée, ce qui n'est pas sur notre champ de direction, notre direction, c'est ce qu'on appelle le hors-champ. Mais cela est suggéré par des personnages par rapport à leur environnement ou à sa position. Donc, selon la position du personnage, selon son environnement, on peut essayer d'imaginer ce qui se trouve hors de nous, ce qui n'est pas notre porte. Voilà les éléments qui entrent en jeu dans l'analyse de l'image. Outre cela,
on va s'intéresser aussi aux angles de prise de vue. S'agissant des angles de prise de vue, c'est la position de l'observateur. Quelle est la position de celui qui, si c'est la photo, qui prend la photo, de celui qui dessine, de celui qui peint, quelle est sa position? On distingue ici donc, selon ces angles de vue, l'angle de vue à hauteur d'œil, c'est-à-dire en face. Nous l'avons vu avec l'image des deux soldats. C'est l'angle de vue à hauteur d'œil. C'est la position vue de debout, c'est-à-dire normale, qui n'est pas déformée. Ici, on va parler de neutralité parce que vous ne cherchez pas à regarder l'autre sur un angle de mépris ou alors d'infériorité. Donc ici, c'est la position normale de neutralité. On appelle cela angle à hauteur d'œil. Nous avons angle de vue en plongée. C'est-à-dire que la prise de vue est au-dessus de l'image. Nous l'avons vu avec l'image, la première image, avec les deux couples. L'image est dominée, méprisée, inconsidérée. À ce moment-là, il peut traduire la solitude. Ceci s'applique exactement sur l'image du petit enfant. On voit que on peut voir la tête du petit enfant jusqu'au milieu de sa tête. Au niveau de ses pieds, on sent que la prise de vue était en plongée. Il y a donc un regard de domination, de mépris, d'inconsidération qui est projeté lorsque l'angle de prise de vue est en plongée. C'est l'image 4. L'angle de prise de vue en contre-plongée. C'est la plongée inversée. Le sujet qui domine, c'est le sujet qui domine le photographe. Donc, la contre-plongée est l'inverse de la plongée. Ici, au lieu que le personnage soit dominé, c'est plutôt lui qui domine. Donc, le sujet ici est déformé. Il peut se dégager dans cela un désir, un sentiment d'écrasement du spectateur, de celui qui est en face. C'est-à-dire, on voudrait l'étouffer avec cette image. Donc voilà pour ce qui est de la contre-plongée. Après s'être intéressé aux angles de prise de vue, on peut voir les couleurs. S'agissant des couleurs, les couleurs sont aussi importantes dans l'analyse de l'image. Les couleurs donnent des informations sur le climat de l'image ou la situation des personnes, personnages. Donc, selon les couleurs qu'on peut observer dans une image, on peut savoir si c'est un climat heureux, malheureux, ou alors euphorisant ou dysphorisant. Alors, s'agissant de l'interprétation des images, il s'agit de dire ce que l'on ressent généralement. On constate que beaucoup de choses peuvent être dites à partir d'une simple image. Les interprétations des différentes personnes peuvent être proches ou variées, mais tout le monde n'aboutira pas à une même conclusion. Ainsi donc, pour interpréter, on tient compte de l'auteur, la date, le titre. C'est-à-dire que sur l'image, il y a des informations. L'auteur de l'image, la date de l'image et le titre de l'image. Le support de l'image, c'est-à-dire peinture, photo, affiche, publicité, etc. L'impression, c'est-à-dire les émotions suscitées par l'image vis-à-vis du spectateur, au niveau du spectateur. Le public visé, cette image est destinée à qui? Pourquoi? L'information véhiculée par l'image, le rapport avec la réalité et les autres documents écrits. Voilà un ensemble de choses qu'on peut avoir sur l'image. Venons-en donc à une consolidation. Et pour ce faire, je vous propose cette image que vous allez observer et que vous allez aussi déceler dans cette image. D'abord, le type, ensuite, vous allez l'analyser et vous allez interpréter. Regardez bien ce monsieur. Regardez aussi celle-ci. Donne la nature de ces images, analyse-les et interprète-les. On remarque que l'image 1 est une peinture. L'image 1, c'est une peinture. Et l'image 2 est une photo. Au niveau de l'analyse, l'image 1, c'est un homme assis sur une chaise qui se tient la tête en position repliée sur lui-même. C'est une peinture rectangulaire. Elle est faite en plongée.
L'image 2, c'est le portrait d'un homme noir avec un bandeau sur la tête. Il porte des boucles et des chaînes au cou. L'image est prise en contre-plongée. Elle est rectangulaire, verticale. Interprétation. Elle montre un vieil homme souffrant. L'image 1. C'est un vieil homme souffrant. On a dit c'est une peinture. C'est un vieil homme souffrant. Il semble avoir perdu quelque chose d'important ou encore il est déçu par la vie. Il est malheureux, seul dans sa souffrance. Cette image traduit la souffrance et la solitude humaine. C'est une peinture de Van Gogh. L'image 2. Elle présente le portrait d'un jeune noir. À considérer ses boucles et son bandeau, c'est un rappel. Son regard traduit de la condescendance, du mépris envers un système. La prise en contre-plongée de cette photo exprime davantage l'estime qu'on a pour lui et les respecter par le monde. Donc, vous pouvez voir sur cette image réellement prise en plongée qu'il domine le spectateur. Alors, nous sommes parvenus donc à la fin de cette leçon qui portait sur la communication par l'image. Et nous avons vu, nous retenons que pour analyser une image, il faut identifier le type d'image, la nature de l'image, le type d'image et les éléments d'interprétation, c'est-à-dire angle de vue, sans oublier les couleurs. Nous sommes parvenus au terme de cette leçon sur l'image. Nous nous retrouverons pour la prochaine leçon, qui pour la prochaine leçon portera sur la phonétique articulatoire. On a tege si ma tege yop, on a tege minga ma tege nyom, on a tege ma jang ma tege ndom, mane tambia niña ne injo biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndom, esu kina bia dinkido, mane tambia niña ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injo biayen